Bonsoir et bienvenue, nouvel épisode de Rock 80, comme tous les mardis sur RCJ, de 23h à minuit. Ce soir, on aura au programme Toto, Diamondhead, Roger Daltrey, Trevor Rabin avec une belle histoire juive, Journey, Envy, Palace, Molly Hatchet, Dakota, et on finira aussi avec une jolie histoire juive avec les Stray Cats, mais oui, parfaitement, ce groupe qui est né au tout début des années 80. On va commencer avec un très grand artiste qui n'est pas forcément connu, donc on va lui rendre justice, lui rendre hommage. C'est le bassiste et chanteur Randy Meisner. En fait, vous le connaissez car il était bassiste dans les meilleurs moments du groupe Les Eagles. Et auparavant, il avait aussi fait partie de la toute première mouture d'un grand nom de la musique californienne, le groupe Poco. Randy Meisner quitte à la fin des années 70 les Eagles. Il se lance en solo. Et sur son album de 1982, il signe ce merveilleux petit titre d'AOR popisant, Never Been In Love, Randy Meisner. Feel like I've never been in love before.
Randy Meisner, un album qui est devenu, comme beaucoup de choses qu'on vous diffuse dans Rock 80, assez rare et pas évident à trouver. C'était Never Been In Love. Et puisqu'on évoque la Californie avec un côté un petit peu musclé, forcément, on pense à Toto, qui en 1988 sortait, à mon humble avis, un de ses meilleurs albums, Seventh One, qui est forcément le septième. C'était le deuxième avec le chanteur Joseph Williams, qu'on retrouve d'ailleurs dans la dernière mouture de Toto, qui ne fait plus d'album, mais qui continue à tourner et qui sera en concert dans quelques mois à Paris. Je crois même que les places se vendent très bien. Évidemment, il y a toujours Steve Lukather, qui est le seul qui soit toujours resté dans le groupe du début à la fin. Sur cet album, il y a une belle variété d'inspirations. On vous avait déjà diffusé quelques morceaux précédemment, parce que forcément, c'est un groupe important dans les années 80. Cette fois, je vous propose Only the Children, le groupe Toto, 1988. We need hope.
Toujours là, le groupe Toto, avec ce retour donc en tournée en cette année 2024. Et c'est bien sûr dans Rock 80, c'est toujours sur RCJ, à la fois sur la bande FM, mais aussi bien sûr sur tous les écrans, sur toutes les applications. Curieux destin que celui de ce groupe britannique Diamond Head, qui était parti pour être un grand nom du hard rock au moment où paraît son premier album en 1981. Et au bout de 3 sorties, patatras, ça ne va plus, tout le monde s'engueule. Ce sont les fameuses divergences musicales. Restera notamment les 2 premiers albums et surtout le premier qui a été encensé, qui l'est encore, par l'ensemble du groupe Metallica qui ont fait beaucoup pour la renommée de Diamond Head. Je vous propose de découvrir un extrait du second album Borrowed Time, Diamond Head avec Call Me. Le rock des années 80, avec toutes ces familles réunies dans une émission d'une heure, tous les mardis entre 23h et minuit. Et comme c'est une grande famille, on ne se rend pas toujours compte des ponts qui existent entre les genres et les artistes, puisque le morceau qu'on va écouter maintenant a été composé
par le duo Jim Vallance et Bryan Adams, et ce sont ceux qui ont produit la pelletée de tubes de Bryan Adams, qui est quand même un très très grand nom de ces années-là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas d'ailleurs, et qui a été un des plus grands vendeurs de disques, une des plus grandes vedettes rock, qui lui vient du Canada et qui est toujours là, toujours bien vivant. Et donc il signe en 1985 ce morceau pour Roger Daltrey, le chanteur des Who, qui en était à ce moment-là à son sixième album solo. Évidemment, ça sonne un tout petit peu comme Bryan Adams, c'est le but. Hein. Et pour la petite histoire, ce morceau au départ était destiné à Stevie Nicks, chanteuse d'un autre très grand groupe, Fleetwood Mac, qui visiblement ne l'a jamais entendu. Et puis, autre information importante, c'est que cet album dont est tiré le morceau qu'on va écouter maintenant, c'est un hommage à Keith Moon, le batteur historique des Who. L'album s'appelle Under a Raging Moon. Évidemment, il y a un jeu de mots subtil. Et le dernier morceau de l'album, c'est un morceau qui est encore plus un hommage à Keith Moon. On l'écoutera d'ailleurs probablement un jour dans cette émission, puisqu'il y a un solo de batterie dispensé par sept batteurs différents, sept très grands musiciens, en plein milieu de ce morceau. Mais revenons à notre titre de ce soir, Roger Daltrey en solo avec Let Me Down, Easy, 1985. There's no
On va en Afrique du Sud, dans Rock 80, avec un musicien extraordinaire, je pèse mes mots. Vous l'avez peut-être entendu faire les beaux jours des plus grands succès du groupe Yes, quand ils ont un petit peu changé leur musique dans une direction plus commerciale dans les années 80, justement, avant d'exploser pour la Xème fois et se reformer pour la X plus 1 N fois. Trevor Rabin, donc, qui est une grande figure de la communauté juive de Johannesburg et qui fait partie de ces grands musiciens juifs d'Afrique du Sud comme Johnny Clegg et Manfred Mann. Manfred Mann qui a d'ailleurs travaillé avec Trevor Rabin plusieurs fois. Et ce qui est très étonnant avec ce personnage, c'est que il a grandi dans une famille de musiciens, il a appris tout un tas d'instruments et dans son arbre généalogique, on trouve à la fois un cantor et un boucher cachère, mais oui, parfaitement, qui s'est installé, qui faisait partie des premiers migrants en Afrique du Sud. Trevor Rabin, qui dans les années 70 était déjà une star dans son pays d'origine, puisqu'il avait un groupe à peine adolescent qui marchait très très bien, il s'est lancé à la fin de la décennie en solo. Et ensuite, il a rejoint Yes avec pratiquement des morceaux clés en main qu'il avait déjà composés, puisqu'il était capable, il est toujours capable de jouer de tous les instruments. Il n'avait plus grand-chose à faire, à part peut-être les morceaux sur lesquels chante Ian Anderson. Donc, multitalent, c'est avant tout un très grand guitariste, mais aussi un très bon chanteur, un arrangeur, un producteur et évidemment un compositeur. On va le retrouver quelques années avant de rejoindre Yes, justement, en solo sur son album Wolf, 1981, She's Easy, le guitariste et chanteur Trevor Rabin.
Trevor Rabin dans Rock 80 et sur RCJ. Je vous rappelle que le site internet, c'est radio-rcj.info. Vous allez dans la liste des émissions, vous cherchez Rock 80 et vous avez une bonne grosse liste des anciennes émissions que vous pouvez réécouter et même télécharger. On va retourner aux États-Unis avec la Californie, plus précisément San Francisco et le groupe Journey qui en 1981, toujours en 81, était au sommet de la gloire. Et sur le morceau qu'on va écouter, on va retrouver des accords de guitare qui ne sont pas si loin d'un groupe comme AC/DC, des accords augmentés, très puissants, et qui changent un petit peu de composition un peu plus calme de ce groupe, puisque sur le même album, il y a le plus grand tube de toute sa carrière qui est Don't Stop Believin'. Il y a aussi d'autres morceaux comme Who's Crying Now. C'est un chef-d'œuvre, c'est un incontournable pour qui aime ce genre-là, qu'on peut qualifier de hard FM, rock FM, AOR, Stone in Love, Journey 1981. Can't help myself, I'm falling.
Un extrait de l'album de tous les records pour le groupe Journey, Escape, c'était en 1981. Et vous le savez peut-être si vous écoutez régulièrement cette émission, et si ce n'est pas le cas, bienvenue. Régulièrement, on alterne des artistes connus et des artistes complètement laissés de côté, dont les albums ne sont pas toujours réédités de façon suffisamment large. Je vous emmène à la découverte du groupe Envy, E-N-V-Y, qui avait la particularité de comporter deux chanteuses qui étaient visiblement mises en avant avec une pochette un peu mystérieuse où on ne voyait que les yeux de ces vocalistes. L'album qui date de 1987 s'intitule Ain't It a Sin. Je vous propose de les découvrir avec le morceau Hurt Me. Vous êtes toujours à l'écoute de Rock 80, c'est tous les mardis à 23h sur RCJ 94.8, mais aussi sur internet radio-rcj.info. Les années 80, ce n'était pas la bonne décennie pour le rock progressif, mais en Grande-Bretagne, il y avait un renouveau et quelques groupes ont réussi
à faire revivre le genre, à le revitaliser, avec des réussites plus ou moins importantes. Il y avait des grands noms qui existent d'ailleurs pour la plupart toujours. Et puis, des groupes un peu moins connus, un peu moins importants. C'est vers celui-là qu'on va aller ce soir avec les Écossais de Palace. Ils en étaient avec The Wage, à leur deuxième album, alors qu'ils s'étaient formés plus de 12 ans auparavant. The Wage donc, et le morceau Imagination, le groupe Palace. Cheers!
le groupe Palace, qui existe toujours, qui a sorti un nouvel album en 2023 avec bien sûr des musiciens renouvelés. Ces histoires de changement de style, de changement de musicien, il y en a des tonnes. C'est toute l'histoire du rock, mais c'est aussi beaucoup les années 80 pour les groupes qui cherchaient un succès massif, un succès sur les ondes, parce qu'à l'époque, c'était vraiment important. Par exemple, Molly Hatchet, le groupe du sud des États-Unis, cette mouvance rock sudiste, ses premiers albums étaient de très grandes réussites dans le genre, mais ils ont eu un peu de mal au milieu de ces années-là. Et puis, 1984, total virage avec un album qui s'éloigne du rock sudiste et qui va clairement sur les terres du hard rock très mélodique de l'AOR, avec des compositeurs extérieurs, quelques nouveaux musiciens et l'arrivée des claviers. Je trouve que c'est réussi. Et voilà pourquoi je considère que cet album « The Deed Is Done » est quand même tout à fait intéressant. C'est le groupe Molly Hatchet, dans un style très très différent pour les amateurs de rock sudiste pur et dur, « Stone in Your Heart ». We'll be right back.
Le groupe Molly Hatchet qui s'essayait alors à l'AOR, un genre nouveau pour lui et très surprenant. Et sans révéler un secret, ça n'a pas forcément très bien marché puisque le groupe a eu beaucoup de mal avant de se reformer avec aucun musicien original du groupe, mais en revenant quand même à un style plus sudiste. Si on cherche vraiment les maîtres étalons des morceaux très représentatifs de ce genre qui se voulait un des plus en réussite aux États-Unis, il faut aller vers le groupe Dakota qui effectivement vous est inconnu parce que sa carrière s'est déroulée surtout en Amérique du Nord et avec l'album et le morceau du même titre Runaway, c'est une sorte de petit tube relatif qu'ils ont réussi à produire, à tel point qu'un groupe français qui s'essaye dans le genre, Heartline, a quand même sorti, il y a quelques semaines seulement d'ailleurs, sur un EP qui est plutôt en format numérique d'ailleurs, qu'on peut trouver très facilement sur les plateformes en ligne, eh bien ils ont fait une reprise de ce morceau. C'est bien la preuve qu'il a laissé des traces pour les amateurs. Je vous rappelle donc le nom de ce groupe, Dakota, et le titre c'est Runaway. You're thinking someday you'll get even with them all.
Rock 81 sur RCJ, ça va être un petit peu le grand écart pour cette fin d'émission, puisqu'on vient d'écouter un morceau avec des sons très électroniques, très synthétiques, et qu'on va se quitter avec un revival qui, grâce à ce groupe, les Stray Cats, a envahi notamment l'Angleterre et les États-Unis, parce que c'est un groupe en fait new-yorkais qui a réussi surtout à se faire connaître en Angleterre. Ça, c'est l'éternel jeu de balancier entre les deux grands pays du rock. Les Stray Cats, qui, au moment de leur premier album en 1981, avaient à peine 20 ans. Trois très bons musiciens, ce qui ne se voyait pas forcément, puisqu'ils avaient une attitude particulièrement détendue et un look très voyant. Et ce qu'il faut souligner, d'où la fameuse deuxième histoire juive de la soirée, c'est que le bassiste, tout le monde avait un surnom à part le leader Brian Setzer, Lee Rucker, son vrai nom c'est Leon Drucker, mais oui, comme notre Michel Drucker, et que c'est quelqu'un pour qui la religion c'est important, puisque le camarade William Zerbib m'a appris, se baladant à New York, que le fiston du sœur Drucker est dans une école religieuse quand même, hein. c'est pas pour rigoler. Très grand contrebassiste qui donne même des cours maintenant. Le grand morceau du premier album de ce grand groupe qui a laissé une trace importante dans l'histoire du rock, les Stray Cats, sur le premier album Runaway Boys. Ainsi s'achève le Rock 80 numéro 53. On se retrouve la semaine prochaine et si vous le souhaitez, bien avant sur le site internet radio-rcj.info. Si vous voulez réécouter ou découvrir les émissions précédentes, je remercie Théo et Daniel qui m'ont aidé sur le plan technique. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RCJ. N'oubliez pas qu'on est disponible sur toutes les applications. Très bonne nuit, à la semaine prochaine.